Nous allons terminer donc cet atelier par la communication de Javier Birdman, que je vais présenter. Javier Birdman est postdoctoral recherche fellow à l'université Goethe de Francfort. Il a récemment soutenu une thèse en théorie politique au Northwestern University, une thèse qui porte donc sur la relation entre le diable et le jugement chez Kant, Arendt et Lyotard. Ses recherches actuelles se concentrent sur le problème de l'universalité dans la théorie critique et chez Jean-François Lyotard. Le titre donc de sa communication. Je l'ai traduit le titre déjà parce que je vais présenter en français. Finalement, vous présentez en français. Oui. Parfait. Le titre, c'est Communication et universalité dans l'archipel glissant de Lyotard. Merci. Merci pour la présentation. Bon, oui, à la fin, j'ai traduit la présentation, mais je dois m'excuser déjà parce que mon français n'est pas parfait. Il y aura des erreurs, mais j'espère que ça ne sera pas une catastrophe. Et avant de commencer, je voudrais aussi remercier les organisateurs pour ce très, très intéressant colloque. C'est la première fois que j'ai fait partie d'un colloque sur glissant et jusqu'à maintenant, c'était une expérience très riche. Je commence. Depuis l'émergence des mouvements anticoloniaux, l'universalisme occidental est souvent critiqué pour sa complicité avec la domination. Les penseurs postcoloniaux ont argumenté que des idées universelles ne sont pas uniquement des principes neutres et valides pour toutes les personnes, mais aussi des dispositifs qui légitiment la subordination de quelques sociétés aux autres. Aujourd'hui, le colonialisme, dirait, n'est pas un phénomène généralisé dans la plupart du monde, mais le lieu des idées universelles est quand même problématique. La mondialisation économique et technologique, ainsi que les migrations massives, créent de nouveaux défis pour la communication entre cultures. Par conséquent, une question reste centrale. Y a-t-il des principes universaux qui rendent possible la communication interculturelle sans subordonner l'une culture à l'autre? Une réponse à cette question se trouve dans l'œuvre des deux penseurs préoccupés par la relation entre les peuples colonisés et l'universalisme occidental, Jean-François Lyotard et Édouard Glissant. Lyotard est bien connu par son diagnostic d'une condition postmoderne qu'il décrit comme la fin des grands récits. Mais plusieurs fois, ce diagnostic a été compris, erronément, à mon avis, comme une négation de l'universalisme et par conséquent comme une affirmation du particularisme. Nous verrons que, par contre, Lyotard pense à une façon d'universalisme qui ne précède pas la relation entre particularisme, mais qui se fonde plutôt sur elle. Le modèle de cette façon d'universalisme est celui de l'archipel. Une multiplicité d'îles qui se communiquent au moyen de bateaux qui se déplacent entre elles. Ce n'est pas une coïncidence que la figure de l'archipel est aussi centrale pour la vision de Glissant sur les relations interculturelles. En effet, Glissant prend la relation entre les îles des Antilles comme un modèle de communication entre cultures avec l'intention de remplacer ce qu'il appelle l'universalisme généralisant de la philosophie occidentale. Lyotard. Selon Lyotard, le problème central des sociétés postmodernes est de générer des liaisons entre des jeux de langage hétérogènes. Contrairement à Habermas, Lyotard ne croit pas qu'il soit possible de trouver un métalangage, c'est-à-dire une procédure universelle, pour générer des liaisons. Les liaisons doivent être créées spontanément dans des situations qu'il appelle différentes. Les différentes ont lieu quand deux discours hétérogènes se rencontrent. Chaque discours a des règles qui régulent les liaisons des phrases. Dans les discours scientifiques, par exemple, les phrases se lient l'une à l'autre à travers la règle de la vérification. Si un scientifique dit A est la cause de B, un autre scientifique pourrait demander comment pouvez-vous le démontrer? Auquel la réponse serait j'ai fait l'expérience X et voilà les résultats.
Il y a un discours technologique régulé par l'efficience, un discours militaire régulé par l'obéissance, un discours narratif régulé par la progression temporelle, etc. Mais qu'arrive-t-il quand des discours différents avec des règles différentes se rencontrent? Comme Lyotard écrit dans Au juste, il n'y a pas de mesure commune. Nous ne savons de rien en commun avec ces jeux de langage. C'est pour cela que la fin de la citation. C'est pour cela que la rencontre des jeux de langage produit un différent, que Lyotard définit comme, je cite, un cas de conflit entre deux parties, au moins, qui ne pourrait pas être tranché équitablement faute d'une règle de jugement applicable à deux argumentations. Au contraire d'Habermas, Lyotard ne pense pas qu'il y ait une façon neutre de résoudre les conflits. Il n'y a pas de méta-règles qui pourraient être utilisées pour arriver au consensus entre des jeux de langage. Les règles du discours scientifique sont différentes des règles du discours technologique. Le discours de l'art est différent du discours de la science, etc. Chaque règle qui détermine comment lier des phrases exclut nécessairement d'autres règles, ce qui fait taire les discours constitués par elles. C'est là ce que Lyotard appelle « tort », qui, je cite, résulte du fait que les règles du genre de discours selon lesquelles on juge ne sont pas celles du ou des genres de discours jugés. La communication n'est jamais neutre, c'est-à-dire elle n'a jamais lieu en moyen de règles reconnues comme valides par tous les partis. Les discours se communiquent plutôt en moyen de disputes sur les règles qui vont réguler la communication, c'est-à-dire en moyen de différendes. Quand deux discours hétérogènes se rencontrent, l'un d'entre eux est nécessairement victime du tort, parce que ces phrases sont subordonnées aux règles de l'autre. Lyotard donne l'exemple d'un Martiniquais qui est considéré un citoyen français. Je cite. Un Martiniquais est un citoyen français. Il peut porter plainte contre ce qui laisse ses droits de citoyen français. Les torts qu'il estime subis du fait d'être citoyen français n'est pas matière à litige dans les droits français. Fin de la citation. Le Martiniquais ne peut pas communiquer la souffrance d'être privé de sa propre tradition dans le langage de la tradition même, ce qui produit un dommage incommunicable, un tort. Même s'il manque un langage pour se communiquer, le tort est senti comme un silence qui demande à être communiqué. Je cite, dans les différentes, quelque chose demande à être mis en phrase et souffre du tort de ne pouvoir l'être à l'instant. Vu qu'il n'y a pas de langage pour se communiquer, les sentiments de tort demandent l'invention de nouveaux langages qui lient les langages hétérogènes. Lyotard décrit cette façon de communication avec les symboles de l'archipel. Une compréhension exhaustive de ces symboles demanderait une analyse de la lecture que Lyotard fait de Kant, ce qui est central pour les différentes, pour les livres, les différentes. Je vais seulement souligner que pour Lyotard, l'invention de nouveaux langages est analogue à l'opération de la faculté de juger chez Kant, dans la mesure où cette faculté lie des facultés différentes les unes avec les autres. Donc la faculté de juger est analogue à un amiral dans un archipel de langage, comme Lyotard décrit. Je lis la citation. Chacun des genres de discours serait comme une île. La faculté de juger serait, au moins pour partie, comme un armateur ou comme un amiral qui lancerait d'une île à l'autre des expéditions destinées à présenter à l'une ce qu'ils sont trouvés, inventés ou biosant dans l'autre, et qui pourrait servir à la première de comme si intuition, pour la valider. Cette force d'intervention, guerre ou commerce, n'a pas d'objet. Elle n'a pas son île, mais elle exige un milieu. C'est la mer, l'archipelagos, la mer principale, comme s'est nommée autrefois la mer Égée. Fin de la citation. Les symboles de l'archipel illustrent quelques éléments de la communication interlinguistique. En premier lieu, il n'y a pas de contact direct entre les îles, pas de sol commun.
Du sien, l'amiral n'a pas de langage propre, mais il apporte à une île ce qu'il a trouvé dans une autre. Troisième, l'amiral présente un objet qui peut être compris dans le langage de la deuxième île à travers une comme si intuition, c'est-à-dire comme si l'objet ferait partie des règles avec lesquelles l'autre parle. La communication est possible sur la base des objets qui font des médiateurs entre langages et qui présentent un langage à l'autre comme si celui-là ferait partie de celui-ci. Avant de parler des glissants, il est important de souligner que la faculté de juger l'amiral est orientée par les silences et les sentiments correspondants produits par les différents. Vu que les différents est dans la base de toute communication, le sentiment est universel. Cela veut dire que le seul principe commun partagé par tous les discours est le différent même. C'est donc pour cela que la demande d'inventer de nouveaux langages est universelle dans le sens où toute relation linguistique implique un tort et, avec ceci, le sentiment que quelque chose demande d'être communiqué. Et j'arrive à glissant. Même si nous ne savons pas à quel point Lyotard connaissait l'œuvre de glissant, les symboles de l'archipel, ainsi que la référence au Martiniquais comme exemple de différent, font évident qu'il apprend comme l'expérience du colonialisme français dans les Antilles quand il a développé sa vision des relations linguistiques. Nous verrons maintenant que glissant serait d'accord avec Lyotard que l'universalité n'est pas une règle ou un processus qui régule la relation entre les langages, mais plutôt la relation même. En écrivant depuis un archipel, glissant pense à une langue qui exprime la relation interlinguistique sans la subordonner à une langue particulière, c'est-à-dire la représentante de l'universalité. La langue relationnée est comme un relais, comme un amiral entre langues. C'est pour cela que Glissant affirme à plusieurs reprises que la relation linguistique est une relation entre opacités. Le but n'est pas de trouver un langage comme ça marche? Ça n'est pas partie de la présentation. Le but n'est pas de trouver un langage commun entre langues, mais de faire possible que des langues différentes inventent des moyens de relation avec l'autre sans cesser d'être différentes. La notion de relation est centrale dans la pensée de Glissant, et ça serait impossible de la résumer ici, je ne pourrais pas le faire, mais un point de contact important avec Lyotard est la critique qu'il fait de la transparence. Cette critique s'adresse à l'idée qu'il y a un moyen de communication universelle comme soutient par exemple Habermas. Selon Glissant, je cite, si nous examinons le processus de la compréhension des êtres et des idées dans la perspective de la pensée occidentale, nous retrouvons à son principe l'exigence de cette transparence. Ensuite, il explique cette exigence de cette façon. Je cite, pour pouvoir te comprendre et donc t'accepter, il faut ramener ton épisode à ces barèmes idéaux qui me fournissent motif à comparaison et peut-être à jugement. Il me faut réduire. Fin de la citation. L'idée de transparence est donc liée à ce que Glissant appelle l'universel généralisant, c'est-à-dire le langage universel qui fournirait les barèmes avec lesquels les langues différentes se comparent entre elles. Sur la base de ces langages, des perspectives différentes deviendraient compréhensibles les unes aux autres et donc transparentes. Mais pour Glissant, la relation ne consiste pas à parler la même langue. Les parties qui se rencontrent n'ont rien en commun, sauf la relation même. C'est pour cela que Glissant défend l'opacité qu'il décrit comme, je cite, les non-réductibles, qui est la plus vivace des garanties de participation et de confluence.
Affirmer l'opacité implique accepter l'opacité de l'autre, c'est-à-dire accepter son irréductibilité à tout barème universel. Plutôt qu'une langue commune, la participation dans la relation exige ce que Glissant appelle une pensée de l'opacité, qui, je cite, relativise à moi les possibles de toute action, en me faisant sensible aux limites de toute méthode. La pensée de l'opacité nous prévient de la réduction de l'autre au même, de la différence en commun. Pour préserver l'autonomie des participants dans la relation, il est nécessaire que ces langues ne soient pas traduites en un métalangage. L'autonomie dans l'opacité consiste, contrairement à Kant et aux néo-kantiens, en la capacité de faire partie de la totalité des relations sans perdre la propre langue, sans que la propre langue soit immédiatement traduite en un métalangage. Mais cette négation du métalangage n'implique pas une négation de l'universalisme. L'universalité n'est pas dans le contenu du jugement, mais dans l'action créatrice qui fait possible la communication entre opacités. Dans le discours antillais, Glissant écrit, je cite, « Nous réclamons les droits à l'opacité, par quoi notre tension pour tout trou exister rejoint le trame planétaire de la relation. L'élan des peuples néantisés qui oppose aujourd'hui à l'universalité de la transparence imposée par l'Occident une multiplicité sur du divers. » Fin de la citation. Nous voyons dans ces mots les contrastes entre les trames planétaires de la relation et l'universel de la transparence, et comment celui-là implique la tension pour tout trou exister et l'élan des peuples néantisés. La communication, depuis un endroit d'exclusion, produit un élan créatif qui fait possible une liaison entre des langues. Comme Glissant explique dans Poétique de la relation, je cite, « Nous cessons de croire que nous sommes seuls dans cette souffrance d'expression. Nous découvrons qu'il y en va de même pour combien d'autres communautés. Dès lors, la pensée grandit qui parle sa langue. Dès lors, la pensée grandit que parler sa langue et s'ouvrir à celle de l'autre ne font plus une alternative. Je parle dans ta langue et c'est dans la mienne que je te comprends. Créer dans n'importe quelle langue donnée suppose ainsi qu'on soit habité du désir impossible de toutes les langues du monde. La totalité nous est. » Fin de la citation. Ces mots expriment des éléments importants de la vision de Glissant sur la communication et l'universalité. L'idée d'universalité s'effondre en premier lieu sur la souffrance de manquer la capacité de s'exprimer. Dès qu'on perçoit que cette souffrance est partagée par des autres peuples, on perçoit qu'il y a d'autres langues qui veulent s'exprimer. Alors, la découverte d'autres souffrances conduit à l'idée que notre langue n'est pas isolée, mais elle est plutôt en relation avec des autres langues, et donc parler la langue propre ou la langue de l'autre n'est pas une alternative. Pour exprimer la souffrance, il faut à la fois parler la langue de l'autre et comprendre dans la propre langue. On pourrait dire, en suivant la logique de Glissant, qu'il faut parler une langue qu'on ne peut pas comprendre afin de comprendre l'autre dans la propre langue. Plutôt que de chercher une langue universelle, il faut visiter la langue de l'autre sans abandonner la langue propre. Le but n'est pas d'arriver à la transparence, dans le sens où tout parle la même langue, mais plutôt de développer la relation entre opacités dans laquelle chaque langue crée de nouvelles façons de compréhension. Mais le désir d'expression universelle n'est pas abandonné, comme l'explique Alexandre Lupin dans Édouard Glissant, philosophe, le livre que ma collègue...
Édouard Glissant, philosophe, à l'universalité chez Glissant est toujours singulière, toujours liée aux créations relationnelles d'une langue spécifique. Pour conclure, nous voyons que Glissant ainsi que Lyotard développent une théorie de la communication et de l'universalité qui répond aux théories de l'argumentation. Cette théorie ne se base pas sur un métalangage, mais sur les langues créatives qui émergent de l'exclusion, c'est-à-dire du manque d'expression. Dans cette perspective, la compréhension a lieu à travers des liaisons entre langues qui restent opaques. Selon la pensée de l'opacité ou de l'archipel, la compréhension entre langues ne dépend pas de trouver des règles universelles, mais plutôt de créer de nouvelles règles sur la base du sentiment d'exclusion. Merci beaucoup. Merci d'abord à tous les conférenciers dont les exposés sont extrêmement très riches. Et ma question s'adresse à M. Jean-Paul Madure et aussi Mme Linda Nouvelle de Tabani, parce qu'il concerne autant phénoménologie et autant phénoménologie que la philosophie. C'est-à-dire que vous n'avez pas mentionné Merleau-Ponty. Donc, ma question est un peu simple. Est-ce que vous avez trouvé une certaine trace de la phénoménologie de Merleau-Ponty dans l'écriture théorique de Glissant? Voilà. Concernant Merleau-Ponty, je n'ai pas trouvé de trace directe, mais je crois que dans mon essai, j'y ai fait allusion, justement, parce qu'il y a une phrase de Merleau-Ponty avec laquelle Glissant aurait été certainement d'accord, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas rejeter la dialectique, mais ce qui est caduque dans la dialectique, c'est qu'elle prétend précisément s'acheminer vers la fin de l'histoire. Et c'est ça, justement, qu'il remet en question. Et c'est ce que dit Merleau-Ponty, justement. Donc, c'est une phrase de Merleau-Ponty. Je ne l'ai pas citée ici. Oui, allez, mais je l'ai. C'est un passage que j'ai sauté, justement. C'est dans les aventures de la dialectique. Il faut savoir que la seconde moitié du XXe siècle, avec les Foucault, etc., puis les Foucault, même de Rida, Deleuze, une pensée antidialectique, malgré tout, hein, c'est toujours une pensée antidialectique. Je crois que j'ai cité effectivement le dernier grand livre dialectique, c'était La critique de la raison dialectique de Sartre, en 1960. Et c'est un peu la fin, hein. Après ça, c'est un livre qui n'a pas fait d'épigone. Après ça, Sartre abandonne même la philosophie pour s'enfermer dans une relation duelle avec Flaubert, hein, dans L'idiot de la famille. Hein. Et ça, c'est la fin de Sartre. Bon, ça, c'est une autre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Oui, donc juste un petit point d'information pour Madame Linda. Donc, vous avez dit au début que, enfin, Linda Carini, pardon. C'est au début qu'il n'y avait pas, vous n'avez rien trouvé sur Glissant et Husserl. Hein. Il y a beaucoup de références. Si vous tapez juste, vous faites juste Google sur Google. C'était une façon de parler, monsieur. Hein. Non, mais je termine. J'ai bien entendu travailler sur Sudoc. Non, mais je termine juste mon propos, si vous permettez. Pardon, vous répondrez après, ça va? C'est ça le principe. Hein. Je pose une question, puis après vous répondez. Oui. Donc, je voulais juste dire que. Oui, non, je ne plaisante pas. Donc, je voulais juste dire que, ici, à côté de moi, il y a Raphaël qui a fait un mémoire sur Glissant et Husserl. Ça ne s'est pas publié, certes. Mais donc, vous voyez, il y a beaucoup de références. Donc, on ne peut pas venir dans un colloque dire il n'y a pas ceci sur Husserl. Donc, c'est une attitude, je pense qu'il faut quand même un peu d'humilité à ce niveau-là. Et moi, je suis très au sérieux. Ce n'est pas très sérieux quand on parle d'un auteur comme Glissant d'avoir des propos généraux comme ça sans avoir fait une recherche précisément sur la question. Est-ce que vous me permettez de prendre parole, monsieur, si vous avez mis point à votre phrase? Bien. Alors, comme je l'ai présenté, et j'aurais pu, puisque vous sous-entendez que je manque d'humilité, me présenter en tant que romancière et vous dire que je parlais en tant que collègue d'Edouard et que j'avais une vision de poétesse que je ressentais en tant qu'algérienne dans l'archipel de nos langues en héritage et en partage. Si j'avais manqué d'humilité, je vous aurais dit que
J'aurais pu en parler dans ma thèse, mais que j'ai préféré me concentrer sur mon travail de recherche. Il est essentiel, monsieur, lorsque l'on présente un travail de recherche académique, de rendre compte d'une bibliographie commentée que l'on a pu ou pas développer à travers un travail doublement de recherche, c'est-à-dire non pas simplement, et c'est pourquoi je me suis permise de vous couper la parole et je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, monsieur, pour ce problème, non pas s'arrêter à la première page Google, mais bien sur des sites spécialisés. Ensuite, l'idée, c'est que lorsque je parle de manque de référence, c'est que, et je l'ai dit, je ne suis pas glissantienne, je me suis intéressée à des références qui se voulaient exclusivement analyse, reprise et lecture philosophique de l'auteur. Ensuite, je ne crois pas et je ne pense pas être venue en disant que j'étais en train d'inventer une nouvelle pensée, une nouvelle théorie et une nouvelle approche de la critique glissantienne en disant que mon nom allait rentrer dans les annales. Je suis venue, je crois, avec le plus d'éléments de débat, de discussion, puisque j'ai même assumé en exorde de mon introduction que je ne présentais même pas une communication, je présentais une question que j'amenais à discussion et que j'attendais, en plus de la part du public présent dans la salle, réponse à ma question. Pourquoi je n'ai pas trouvé d'éléments de réponse sur Husserl. Donc, monsieur, si je puis me permettre, et pour avoir l'habitude de faire des colloques, et je me permets aussi, puisque vous avez eu l'audace de me dire que je manquais d'humilité, je vais en manquer maintenant. Vous parlez à quelqu'un qui a soutenu sa thèse, qui a soutenu une thèse en deux volumes. Il me semble qu'avant de donner des remarques aussi pompeuses que celles que vous venez de me faire sur la façon dont il faut présenter une communication, être présent quand la personne fait son introduction. En l'occurrence, j'étais en train de demander aide à l'Assemblée pour comprendre pourquoi un livre qui s'intitule « Édouard Glissant, philosophe » ne parle pas de phénoménologie. En l'occurrence, vous dites que votre voisin a fait un mémoire sur Husserl. Je tiens à lui dire, puisque c'est lui qui aurait dû prendre la parole, que je n'ai qu'une hâte, c'est de vous lire. Et j'espère vraiment, vraiment que vous aurez la gentillesse de me passer votre mémoire. Je vous remercie. Attends, la dernière polémique est en train de me dire que je manque d'humilité. Sans vouloir non plus ni suivre, ni défendre, ni attaquer mon voisin, c'est juste une simple petite contribution en réalité. Voilà, donc vous terminez votre communication en disant pourquoi pas, et en effet, le lien entre Glissant et Husserl, ben, on peut le traiter, et pourquoi pas. La présence d'Husserl n'est pas directe dans l'œuvre. Glissant, en effet, vous avez raison, ne le cite pas fréquemment. En revanche, c'est vrai qu'il y a une bibliographie assez conséquente de travaux qui ont été menés sur l'influence de, ou l'effet de Husserl chez Glissant. Et ça, déjà, il y a assez longue date. Par exemple, Bernadette Caillé, qui est une grande lectrice de Glissant, depuis la première époque, a tout de suite traité cette question. Romuald Fonquoy, lui-même, a travaillé sur l'effet de Jean Val chez Glissant et aborde la question de Husserl. Quant à Lepin, et il a écrit donc Édouard Glissant, philosophe, mais je crois que sa question, et là, c'est pour défendre Lepin, qui est un critique que j'estime beaucoup, je crois qu'il s'est intéressé davantage à la question de la dialectique. Et c'est pour ça qu'il se concentre essentiellement sur Hegel et Héraclite. Et en réalité, le terrain phénoménologique est un autre chantier, si vous voulez. Donc, oui, Édouard Glissant, philosophe, mais alors il aurait fallu faire l'inventaire de tous les philosophes qui ont été importants pour Glissant. Et il y en a beaucoup. Il y en a énormément des philosophes qui ont compté pour Glissant, des philosophes dont on ne parle jamais. Et je remercie Jean-Paul Madou d'avoir parlé de Kostas Axelos, qui est déterminant dans la pensée de Glissant. Voilà. Donc c'était une simple petite contribution. Il y a aussi Edelin Dorismont, qui travaillait au Collège international de philosophie, qui a beaucoup travaillé sur la question de Glissant et Husserl. Alyosha Balazovski, philosophe, aussi a travaillé sur la question de Glissant et Husserl. Enfin voilà, Je me permettrai, par exemple, pour votre référence à Dromoitch-Pluka, il y a une différence, et c'est en cela que, parce que là, je ne l'ai pas présenté dans le texte, si jamais le comité scientifique du colloque envisage, et si jamais il est possible de publier, je présenterai cela
de manière beaucoup plus précise qu'en 20 minutes, il est entendu. Vous dites qu'il est difficile de rendre la bibliographie, il est difficile de rendre ma réflexion aussi. Je tiens à signifier aussi qu'il y a une différence entre citer un nom d'un auteur dans le travail de reprise thématique et le travail de reprise intertextuelle, comme je l'entends, et faire un travail où il s'agit de reprendre de manière très directe qu'en 1907, Husserl, dans l'appendice numéro 11 du paragraphe 6, a écrit une théorie de la relation, et que des années plus tard... premier élément. Deuxième élément, je n'ai pas dit que j'étais la première à le faire, j'ai dit que je n'ai pas eu accès. Il existe pour Édouard Glissant exactement ce qui s'est passé pour Husserl quand il a été interdit d'enseigner en Allemagne suite à la loi sur l'antisémitisme, c'est l'accès aux archives. Ensuite, je l'ai expliqué encore une fois, donc j'en suis quelque peu pantoise, qu'il faille à chaque fois légitimer son propos. Je le fais néanmoins. Je ne suis pas glissantienne. Je n'ai pas prétention à dire que je connais l'œuvre glissantienne. J'ai encore moins prétention à dire que je connais la bibliographie critique glissantienne avec tous ses courants. Ce que j'ai voulu présenter, c'est, je vous le demande, d'accord, aviez-vous connaissance de cette tâche de la théorie de la relation d'Husserl dans la philosophie rigoureuse, et saviez-vous que dans Méditation cartésienne, il avait posé la question du lieu commun et du langage commun, et saviez-vous que la relation du monde de Glissant est celle de Husserl? Je vous pose la question, non pas à travers vous, le savez-vous, mais dans quelle bibliographie? Je le demande, je le souhaite. Ça fait, je... Non, c'est pas ça. Vous m'avez fait liste. Non, c'est pas ça. J'entends par là, monsieur. Vous m'avez fait liste. Par exemple, Fonquoi. La référence dont vous parlez, elle est dans cet article. Il parle de phénoménologie et de Val. Il y a une différence entre parler du fait que le professeur de Glissant était un phénoménologue à la Sorbonne et présenter une étude de la crise des sciences européennes dans laquelle Husserl critique les sciences et la pensée européenne, telle que va le faire Glissant sur la notion de l'Occident, et de dire « il évoque Husserl ». Moi, c'est en ce sens-là. Après, je vous accorde aussi un élément, et là, je l'assume et je le légitime. Je suis une littéraire pur jus, comme ça, c'est un truc. Pour moi, la littérature est toujours dans un jeu d'écho. Et il n'existe pas de source, il n'existe pas d'origine, il existe des éléments. À aucun moment, je n'ai justifié cela. Et en plus, je vous ai dit mon éclat de rire, c'est que j'ai conclu avec la voix même d'Edouard Glissant, qui a dit « je ne suis pas héritier, je suis fondateur ». Et qu'en définitive, quel que soit le terreau, quel que soit le sillage, il s'agit non pas de dire « voici d'où je viens », mais voici ce que je donne, notamment ce que proposait M. Madou avec le devenir. Voilà. Non, c'est pas ça, parce que je suis en train juste de justifier que je n'ai pas la connaissance bibliographique. Oui, voilà. Peut-être une remarque encore sur le fameux Husserl, que Glissant ait lu Husserl, c'est une évidence. Il l'a lu, évidemment. Il y a un petit détail biographique que je vais quand même citer, c'est qu'il a connu un traducteur de Husserl, et pas n'importe qui, la traductrice de Logique formelle et transcendantale, Bachelard, qui était Suzanne Bachelard. Alors, il faut savoir que Glissant suivait les cours de Gaston Bachelard, le père. Il fallait, pour suivre les cours de Bachelard, qui étaient des cours d'épistémologie, il fallait quand même une bonne base mathématique. Quand on arrive aux équations de Schrödinger, etc., bon, il faut avoir une base mathématique. Et Gaston Bachelard, qui s'était pris de sympathie pour ce jeune Martiniquais, trouvait que sa base en mathématiques était un peu faible. Alors il dit, ma fille Suzanne va vous renforcer votre base mathématique, venez chez moi. Et je vous servirai un petit déjeuner. Hein, c'est bien ça. Hein, il l'a raconté aussi. Et c'est Suzanne Bachelard qui lui a fait des cours de mathématiques. Les dérivées, les primitives, hein, grandes, etc. Voilà. Alors, concernant justement Husserl lui-même et la pensée de Glissant cette fois-ci. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire vous avez cité les archives d'Husserl.
Vous savez que les archives du CNRL sont dans mon ancienne université, l'université de Louvain, que j'ai encore eu la chance de connaître le vieux père Van Breda, qui, je dirais presque au risque de sa vie, a sorti les manuscrits, les milliers de manuscrits en plusieurs voyages, avec l'immunité diplomatique qui lui avait été conférée par un ministre socialiste belge, Paul-Henri Spaak. Et donc c'est grâce au père Van Breda et au ministre socialiste Paul-Henri Spaak, que ces manuscrits, ces milliers de pages, 7000, 8000, je ne sais plus, en sténographie, on a terminé maintenant par la transcription. Il fallait se dépêcher parce qu'il n'y avait plus d'Allemands qui pouvaient lire encore cette ancienne sténographie de Husserl. Donc c'est comme ça que précisément ces manuscrits dont vous avez parlé sont arrivés précisément, ils sont toujours actuellement au département de philosophie de l'université catholique de Louvain. Maintenant, concernant la pensée de Husserl, c'est immense, la pensée de Husserl. Il y a plusieurs étapes aussi. Et puis, il y a ce passage qui va se faire à la fin de sa vie, où il y a un passage qui va se faire d'une conscience transcendantale et constituante. C'est la conscience qui constitue le monde. Constituer ne veut pas dire créer, bien entendu, mais rendre compte des conditions de possibilité, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a cette conscience transcendantale qui va glisser vers une conscience plus en prise directe avec le monde et ce que Husserl appelle le Lebenswelt, le monde de la vie. Et là, bien entendu, il y a une relation avec la philosophie de la relation, bien entendu. Mais que le nom ne figure pas, non. Mais le nom de Heidegger ne figure qu'une seule fois aussi, à ma connaissance. Je crois. Mais la question de l'être et de l'étant, de facto, amène le lecteur à réfléchir l'ontologie. Et je vous dis, moi, ce qui m'a surprise, hein, c'est pourquoi, enfin, je suis là vraiment, hein, c'est ce fameux paragraphe tâche de la théorie de la relation. Et ensuite, toute la façon dont, vous l'avez dit, les cours au début qui étaient purement mathématiques du CERL, qui sont devenus de plus en plus après, notamment qu'il avait comme élève et disciple Heidegger, et qu'Heidegger a dédicacé à Husserl son plus grand texte, à mon ami et maître. Enfin, après, il l'a fait critiquer, etc., il l'a trahi mutuellement. Mais le questionnement que je voulais partager vraiment avec vous, et le débat que je voulais avoir avec les gens, vraiment beaucoup plus lecteurs que moi de distance, enfin, tous les éléments, c'est comment, en fait, il est possible, et je vous remercie d'avoir rebondi sur la question de la... De l'archive, notamment qui a aussi l'archive de Glissant, comment il est possible de... comment il est possible de réfléchir en fait à la pérennité d'une œuvre, non pas simplement à ce qu'elle dit explicitement, mais quand elle revendique une opacité, à ce qu'elle peut suggérer. Et justement, dans la question de la sémiotique et de la sémiostylistique, comme philosophie du langage qui pense le sens, non pas en ce qu'il est sens, mais en ce qu'il est d'essence. Là, c'est par exemple Georges Molinier qui le dit dans Les effets de l'art. L'art, c'est d'essence au niveau voix, etc. Oui, regard, et non pas le sens, le signifié. Et l'idée, en fait, comment... les multiples interprétations peuvent donner une nouvelle incarnation et pour jouer sur le IT, une nouvelle incarnité, en fait. Et c'est pour ça que la difficulté était là, c'est-à-dire de proposer. Après, bon, voilà, comme je dis, je reviens sur cette phrase où j'ai rigolé, hein, mais Édouard Glissant qui me dit non, fondateur, pas héritier. Donc j'ai envie de dire, ok, d'accord. Le discours entier fonde, n'hérite pas. Monsieur. Revenir à la première intervention, vous avez cité le livre de Neil Roberts, Freedom as Marronnage, en fait. Et l'idée de marronnage, en fait, on pense toujours que finalement Glissant marronne en littérature, mais il marronne aussi en philosophie. Je me demande si c'est pas une éthique de la philosophie. Est-ce que vous pourriez revenir, c'est très utile, votre analyse de Badiou et de Nick Nesbitt, votre interprétation justement de comment Glissant échappe à cette dichotomie entre le défaitisme et le triomphalisme. Est-ce que vous avez aussi parlé de Benjamin et cette notion de faire exploser la tradition. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer cet aspect, côté benjaminien, qui était l'autre trace
comme Husserl et comme Lyotard d'ailleurs. Alors, merci beaucoup. C'est une question assez vaste. Moi, je suis arrivé à la lecture des Glissants, je commence peut-être en disant cela, à travers Arendt et à travers des façons de penser une politique qui ne repose pas sur une vision fondatrice du sujet souverain. Et donc, le problème, en fait, souvent, une remarque qui est souvent faite contre Arendt, c'est qu'elle abandonne aussi justement une dialectique révolutionnaire. Et pourtant, dans Sous la Révolution, elle nous donne toute une vision de la Révolution comme étant une révolution qui ne dépend pas de la souveraineté. Et ça, il y a justement des croisements avec une temporalité qui est brisée, qui n'est pas Arendt qui cite toujours dans beaucoup de ses textes la phrase de René Char, que le fil de la tradition est coupé. Voilà, ça c'est une des résonances entre cette tradition arendtienne benjaminienne que j'ai retrouvée chez Glissant et qui m'ont motivé, inspiré à lire Glissant. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans cela, c'est qu'Arendt elle-même, elle s'est jamais posé la question des révolutions non eurocentriques. Elle s'est jamais posé la question de la révolution haïtienne. Et elle s'est jamais posé la question de penser une politique non souveraine, non pas sur le modèle des conseils ouvriers de la révolution hongroise de 1956, mais peut-être sur la base du marronnage, comme une politique qui n'est pas celle du détournement du grand soir, de l'absolu qui ensuite produit des effets de vérité, un processus de vérité comme on trouve chez Badiou. Et Nesbitt, justement, il fait une lecture de la critique caribéenne comme étant une tradition de l'institution de l'absolu par Toussaint Louverture, en quelque sorte, d'en découle une tradition qui résonne avec ce processus de vérité dans le sens de Badiou. Et moi, je trouve que dans la tradition Arendt-Benjaminienne, c'est de toute façon une lecture ainsi que j'aurais de Arendt en rapprochant ses auteurs dans une optique plutôt juive, heideggerienne, que là, on trouve des résonances remarquables avec l'idée du marronnage, non pas comme l'ailleurs absolu, mais comme une sorte de zone marginale qui est à la fois dedans et dans une attaque permanente qui déstabilise le tout, justement, le tout totalisant. Et ici, je trouve que, voilà, on pourrait s'interroger là-dessus, et c'est peut-être par hasard que ce livre magnifique de Neil Roberts, Freedom as Marronage, dit aussi, il traite d'Arendt en lecture en lecture croisée avec Glissant. Et là, Roberts, apparemment, il travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Créoliser Arendt. Donc là, c'est ce qui se présente comme étant un peu, une lecture assez imprévue. Justement, peut-être il y a une notion de l'action révolutionnaire qui n'est pas, qui ne dépend plus d'une assurance de sa vérité. Tu disais métalangagière, on pourrait dire, mais qui se donne à l'aventure d'une action qui n'est pas prédéterminée et qui pour cela est justement ouverte au divers et qui est pour cela non jamais pessimiste, mais elle peut pas être optimiste. Elle est dans un rapport autre, dans un rapport créolisant et activant des mémoires qui sont en quelque sorte présentes comme traces. Et que ces traces, donc, comme vous avez dit, ils portent une force magnétique. Et donc, j'étais très allergique en quelque sorte contre une lecture complètement pessimiste du discours antillais, parce que justement, il y a ces passages sur le marronnage, il y a les retournements, il y a ces ambiguïtés dans le mot même de l'amorce. Et voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer. Merci. J'ai une question très simple, il me semble, pour vous, Javier. Vous parliez, donc, en parlant de Lyotard et puis la connexion que vous faites avec Édouard Glissant, vous mentionniez cette question de l'universel dont on a déjà parlé, la question du langage. Je voulais vous demander, dans cette articulation que vous faites, est-ce que vous... je vous écoutais en fait avec une phrase de Glissant dans le discours entier quand il dit « l'universel n'a pas de langue ». Et la façon dont je comprends cette phrase, je ne suis pas sûr si c'est comme ça qu'il l'entendait, mais en tout cas, c'est ce à quoi elle me fait penser. C'est une conception d'une langue comme un paradigme archipélique. Quand il dit « l'universel n'a pas de langue », ce que j'entends, c'est qu'il n'y a que deux langues particulières et pour passer d'une langue à une autre, il faut une traduction, il faut pouvoir se comprendre de langue à langue au lieu d'une sorte de principe universel qui
qui établirait une signification par-dessus les langues, si vous voulez. Donc, moi, j'ai une conception des langues en le disant qui est une sorte de modèle archipélique. Est-ce que, quand vous parlez de, donc, de cette question de langage, est-ce que vous l'entendez sous forme de langue, ou est-ce que vous entendez ce mot de langage dans l'opposition que Glissant fait entre langue et langage, ou est-ce que vous l'entendez dans encore une autre acception qui n'est ni en question de langue, ni dans l'opposition langue-langage? Alors, merci. Merci pour la question. J'ai pensé beaucoup sur la relation entre langue et langage. C'est aussi compliqué, j'ai lu Lyotard, parce qu'il ne fait pas la distinction. Normalement, il écrit sur les langages. J'ai bien aussi Darren comme Nicolas, et pour moi, la notion de diversité, de les diverses, de la pluralité est centrale, et je trouve cette idée, c'est très clair chez Glissant. Et pour moi, ce qui est important pour développer une compréhension de l'universalité chez Glissant, c'est de penser la diversité de langues. Et l'idée que j'essaie de développer, c'est l'idée que l'universalité est entre langues. Oui, c'est ça. La réponse, c'est un peu vite, mais il faut les plus développer. Alors, si je peux me permettre, tout d'abord, ce que je tenais à dire, pour vous remercier tous d'avoir contribué brillamment, bien entendu, et pour un petit peu apaiser la controverse qui s'est manifestée tout à l'heure, je tenais à dire que dans les études glissantiennes à venir, présentes et à venir, il serait souhaitable, en tout cas c'est le souhait que je formule, que nous soyons ouverts à des perspectives comme la vôtre, comme celle que vous nous avez apportée aujourd'hui, qui est une intuition. En fait, à partir du lien que vous pressentez, et qui n'est pas de l'ordre de l'exhaustivité bibliographique. Je crois fermement que ce type d'intuition gagnerait à rentrer et à enrichir le champ des études glissantiennes. Et c'est pour cela que je tiens à vous remercier et à vous dire que votre regard est empreint, effectivement, d'une intuition qu'il sera bienvenu de parcourir lors de la publication des actes. Alors, je voulais simplement dire deux choses. Pour ce qui est des communications de Nicolas Pletzer, et de Jean-Paul Madou. En fait, ce ne sont pas véritablement des questions, ce sont des pistes. Et puis, si vous voulez réagir, j'ai beaucoup apprécié ce que vous nous avez proposé à partir donc, de ces deux textes, sur l'abolition et sur Delgrès 1802 Matouba, partir en effet de la philosophie de l'histoire. Je crois que là, effectivement, ça renouvelle l'approche qu'on peut avoir de ces textes qui sont très normés, finalement, dans le discours antillais. Comment vous dire, en revanche, ce qui est de l'ordre d'une, non pas d'une réserve de ma part, mais peut-être d'un questionnement purement terminologique. Quand vous parlez d'une pensée décoloniale et que vous faites d'Edouard Glissant un militant décolonial, je dois vous dire que là, je me pose quand même certaines questions. Anticolonialiste, ça je comprends tout à fait, parce que là, c'est historicisé, historiquement normé. En effet, on peut comprendre. Décolonial, en revanche, aujourd'hui, vous le savez bien, ça fait appel à un paradigme qui est tout à fait nouveau, qui d'ailleurs a émergé dans un contexte polémique. Et déjà, si Glissant est difficilement apte à être agrégé au post-colonial, je pense que l'agréger au décolonial aujourd'hui, c'est aller un peu vite en besogne. En tout cas, de mon point de vue, il serait plus prudent, peut-être, de repenser la question de l'anticolonialisme, surtout que, comme vous l'avez souligné, cela gêne certaines personnes, comme Nesbitt, que vous avez cité. Et puis, ce matin, on a eu une critique de la part de Christian Huet très méthodique des propos de Bonji, hein, par rapport
par rapport à tout cela. Et je crois qu'en effet, tout ce que vous soulignez pourrait peut-être militer vers une sorte de manière de revisiter l'anticolonial chez Glissant, qui est encore contemporain, et peut-être pas forcément de l'agréger vers le décolonial. Mais enfin, ça, c'était simplement une réflexion. Toute petite précision, le texte auquel vous faites allusion de Husson, ce n'est pas la proclamation de l'abolition. La proclamation de l'abolition, c'est Rostolan, véritablement. C'est le 22 mai à Saint-Pierre. Et ce texte de Husson, c'est en fait, si vous voulez, le commentaire de la venue de du décret d'abolition. Et alors, si Glissant y est attentif, c'est parce que c'est un texte d'un paternalisme délirant, et qu'il retrouve finalement au moment de la publication du discours antillais dans les commentaires de Dijoux, etc. Non, mais cela, vous l'avez très, très bien souligné, et je tenais de toute façon à vous remercier de tout cela, et ne prenez pas ce que je vous ai dit comme des réserves, simplement des suggestions. Alors, Jean-Paul Madou, alors, comme d'habitude, nous avons affaire avec vous à une certaine maestria de critique à laquelle nous sommes accoutumés quand on vous lit. Je dois dire, pour pouvoir, alors là, en revanche, revenir sur la question bibliographique, que tout ce que vous avez développé à propos de l'instant et de la durée, comme vous avez suggéré, vous y revenez en détail dans Édouard Glissant de Mémoire d'arbre. Alors, pour les gens qui ne l'ont pas lu, pour peut-être les non-glissantiens, parce que je pense que tous les glissantiens l'ont lu, je conseille particulièrement tout cela. Pour ce qui est de l'instant et de la durée, j'ai toujours eu une petite question, un questionnement personnel. C'est vrai qu'on a beaucoup ramené l'inspiration de Glissant par rapport à cette problématique-là à Bachelard. Et c'est vrai, c'est absolument, si vous voulez, incontestable. En revanche, est-ce qu'on ne va pas peut-être un peu vite en besogne en mettant Bergson à la trappe, parce qu'il semblerait que la fameuse crise philosophique entre Bachelard et Bergson, qui quasiment conditionne l'histoire de la philosophie française au XXe siècle, ait été par la suite un peu de nature à surdéterminer les influences, par exemple, comme celle de Bachelard sur un écrivain qu'on dit postcolonial, alors que, à mon sens, la réflexion sur la durée chez Glissant est également assez empreinte non pas du bergsonisme et ce qu'on en a fait, mais de l'intuition d'une durée, comme vous avez dit, en termes d'état psychique. Donc, il en fait finalement à la fois une durée bachelardienne, mais également avec des empreintes bergsoniennes. Enfin, il me semble que cela pourrait être approché comme cela. Mais de toute façon, alors, avant d'entendre votre réponse, ce que je voulais dire, c'est que la question de la trace qu'effleurer à propos de Derrida, je pense que là la question serait vraiment très très épaisse. Ça nous ramène à la discussion que vous avez eue avec l'un de ces personnages que nous avons évoqué depuis ce matin et qui vous a dit il n'assume pas ses sources. Oui. Finalement, c'est ça le problème de ces gens, c'est qu'ils ne se rendent que Glissant non pas cherche à éviter d'assumer ses sources, mais il en fait une sorte de maelstrom très personnel, dans lequel, par exemple, pour ce qui est de la trace, je mets au défi quiconque de se focaliser sur une seule source pour ce qui est de la trace. Il y en a, je dirais, des dizaines. Et c'est ce qui fait d'un auteur comme Glissant quelque chose de passionnant en matière d'écriture et de conception même de sa pensée, c'est qu'il n'y a jamais une source élue, il y a toujours une conjonction de sources. Et on pourrait parler pour la trace à la fois de Derrida, mais on pourrait parler également de Carlo Ginzburg, par exemple, très important pour ce qui est de l'indice, vous savez, de trace dans le renouvellement de l'historiographie qu'il fait. On pourrait parler de bien d'autres également. De Benjamin, bien entendu. Donc, il en fait véritablement, je dirais, une sorte de nouveau paradigme. Et ça, c'est ce que je voulais dire. Évidemment, pour Derrida, on devrait parler de la grammatologie. Et là, il faudrait rentrer dans des détails, certainement, dans l'après-midi-là, qu'on ne pourrait pas imposer à tous.
Parce que déjà, la lecture de la grammatologie, c'est quelque chose qu'il faut mériter. Mais enfin, je veux dire, voilà, je voulais rendre hommage à vos deux communications tout particulièrement, et puis, les deux autres, hein, parce que vraiment, c'est absolument essentiel, tout ce qu'on a entendu cet après-midi, et puis un petit peu vous entendre sur les perspectives que je vous propose. Non, mais j'ai peut-être une réponse concernant la durée, justement, bergsonienne. Il ne faut pas oublier non plus que Deleuze a écrit un superbe essai sur le bergsonisme, avec tout un chapitre sur la durée que Glissant, bien entendu, devait connaître. Alors, si on creuse le problème, il faudrait le creuser davantage, je n'ai fait qu'indiquer quelques pistes ici. Je pense qu'il faudrait passer par l'essai de Deleuze sur Bergson, qui est absolument lumineux. C'est ce qui a été écrit de plus, à la fois de plus élégant, de plus vrai, de plus juste sur Bergson. Je pense qu'il faudrait passer par Deleuze, et justement, le passage se fait facilement entre Glissant, Deleuze. Oui. Alors, il y a toute une circulation là, de textes, effectivement, qu'il faudrait retracer. Absolument. Quant à la trace, j'ai surtout pensé à Benjamin. J'ai toujours été très fasciné par cette opposition entre l'aura et la trace. C'est un très, très, très beau texte, bien que Glissant ne le cite pas. Hein. Je ne sais pas s'il a lu Benjamin ou ce qu'il a lu de Benjamin. Je n'en sais rien. Mais la question n'est pas là. La question pour moi, c'était de replacer justement la pensée glissantienne dans le champ de la pensée contemporaine et de voir précisément comment les idées circulent, comment il assume donc cette multitude de sources dans un maelstrom. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle image que celle du maelstrom. Et comment sa pensée incarne directement la relation, en fait. Ah oui, bien sûr. C'est ça, c'est le... Pardonne-moi. Mais en fait, toutes les questions qu'on se pose, c'est simplement justement cette incarnation même de sa propre pensée, c'est-à-dire quels sont les liens, qu'est-ce qu'il relate, etc. Et moi, j'avais une question que je voulais poser en fait à Madame Glissant. Mais est-ce qu'il a été possible de regarder dans sa bibliothèque des commentaires d'ouvrages? De toute façon, la bibliothèque là, est toujours dans des cartons. Hein, on l'a pas ressortie. Donc là, je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, on l'a pas fait. Tout est dans des garde-meubles. Voilà, en attendant qu'on puisse le sortir. Ouais. D'accord. Alors, merci, Monsieur Siri, pour vos commentaires et votre remarque. Je vous remercie sur cette précision historique sur Husserl. Évidemment, vous avez raison, et ce serait important de préciser de quel type d'énonciation il s'agit dans par rapport à ce texte. Mais par rapport à la désignation de décolonial, j'aimerais juste reprendre en quelques phrases. J'ai conscience, bien évidemment, des controverses en France autour de cette désignation et de cette soi-disant mouvance décoloniale. Personnellement, j'ai choisi ce terme malgré ces controverses, justement pour marquer aussi la polyphonie de ce même courant, de ces courants pluriels, et aussi justement dans un acte de solidarité avec un certain nombre de chercheuses et chercheurs en France qui se trouvent menacés, qui se trouvent le cible des attaques, des lettres ouvertes, etc., que je ne soutiens absolument pas, même si je ne suis pas d'accord avec certaines conceptions au niveau peut-être certains aspects essentialisants sur l'identité politique telle qu'elle est mobilisée politiquement. Mais ça ne veut pas dire que cette mobilisation essentialisante est le marqueur, ce qui est défini, la définition même d'une mouvance intellectuelle décoloniale. Je trouve que là, si on accepte cette signification-là du mot décolonial, on est en train de perdre la possibilité des alliances absolument cruciales dans un niveau politique. Et je crois que Glissant, surtout le Glissant du discours antillais, se situe tout à fait dans cet univers-là des réflexions politiques et de ces critiques politiques dans le présent qui touchent sur la continuité d'un discours universaliste sur plan banc et les rapports de dominants et dominés en France et dans le monde entier, surtout dans ce qu'on appelle encore la francophonie, dans une optique assez coloniale.
Et là, il me semble que c'est important de ne pas revendiquer la signification du tout. Revendiquer, ce serait, à mon avis, le contraire de ce que j'aurais en tête, de revendiquer la définition essentialiste qui est associée avec ce terme décolonial, mais justement de marquer avec une reprise de glissant la polyphonie et les possibles politiques qu'on peut mettre en relation justement sous ce terme. Je pense que la discussion est intéressante, de toute façon. C'est la disputatio, c'est l'heure en plus, on est dans la table ronde. En fait, vous avez tout à fait raison. Il y a une traduction décoloniale aujourd'hui qui est effectivement l'essentialisme, surtout en France, avec toutes les polémiques auxquelles on assiste quasiment tous les jours. En fait, ce que je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Ce qui, moi, en revanche, peut-être, ce n'est pas un réflexe puriste, comprenez-moi bien, c'est que je me méfie toujours, et surtout pour ce qui est de glissant. Mais ce n'est pas seulement glissant, c'est également Césaire, c'est également Fanon. Fanon, alors tout particulièrement. Je me méfie toujours, si vous voulez, de la propension qu'il y a aujourd'hui dans la critique, non pas à instrumentaliser ces auteurs, mais en tout cas à les rallier à des positions et à des courants contemporains, alors qu'ils ont été, eux, dans des courants qui sont normés historiquement. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'anticolonialisme. L'anticolonialisme est une chose dont on fait déjà l'histoire, à raison, aujourd'hui. Il est vrai que la lutte, je suis d'accord avec vous sur le fond, la lutte peut-être continue, si j'ose dire. Continuons le combat, camarades. D'accord, certes. Mais Glissant, lui, a exprimé des choses dans le schème anticolonial, et je pense qu'il est important surtout de le resituer dans ce schème. Et bienvenue à tous ceux qui vont renouveler cette approche-là. En revanche, je persiste à me méfier. Je vous entends tout à fait, mais je persiste à me méfier, si vous voulez, des ralliements un peu je ne vais pas dire facile, parce que ce que vous avez fait, ce n'est pas du tout de la complaisance, absolument pas, mais un peu rapide aujourd'hui qu'on a affaire de Glissant et de Césaire, c'est vrai, mais regardez Fanon. Enfin, Fanon, c'est dramatique. Tout le monde veut s'arracher un morceau de la vraie croix. Hein. Alors, on se dit, on brandit son Fanon. Tout le monde a son Fanon ou son Fanon. Ça devient insupportable. Pensons à Fanon pour ce qu'il a été. Pensons à Fanon pour son engagement dans la guerre d'Algérie, pour son engagement dans le discours véritablement anticolonial. Mais arrêtons. Enfin, c'est la grandeur de la thèse, que vous connaissez très certainement, et son nom m'échappe, évidemment, au moment où j'en ai besoin, de ce jeune chercheur dont que nous avions accueilli à l'Institut du Tout-Monde énormément, dans le cadre du cycle que nous avions fait, et qui a fait cette thèse remarquable sur Glissant, qui s'appelle Mathieu Renaud. Ah oui. Voilà. Mathieu Renaud, si vous voulez, toute sa thèse tient justement sur, non pas un sentiment de puriste, mais sur le fait d'attirer l'attention sur quasiment la pente naturelle qu'il y aurait aujourd'hui à faire de Fanon, pas ce qu'il a forcément été. Enfin, voilà, c'est une question simplement de nuance. Cela dit, je suis d'accord avec le fond de ce que vous venez de dire. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, parce que j'ai trop parlé. Moi, je voudrais faire une remarque par rapport à l'anticolonialisme. Je trouve que le discours antillais apporte une réflexion sur la traite qu'on trouve nulle part ailleurs. Et pendant que je faisais le numéro de Chimère, j'ai fait des petites recherches un peu sauvages qui montrent que moi, ce que j'ai découvert, c'est que le mot traite n'existait pas en anglais, par exemple. Il y a transport d'esclaves vers l'Amérique. Il n'y a pas ce mot spécifique. Et ce mot spécifique, de ce que j'ai découvert, il renvoie à la notion de marchandise traitée, c'est-à-dire le fait de faire des paquets de gens qui ne parlent pas la même langue et qui sont mis ensemble, donc comme ne parlant pas la même langue et étant complètement néantisés, effectivement, et emmenés. Et je crois que ça, il me semble qu'il faut insister dessus, parce que c'est au fondement quand même de la recherche de Glissant et de la production d'une nouvelle langue, d'une nouvelle culture à partir de là. Et ce n'est pas le colonialisme des autres endroits colonisés. Je pourrais juste réagir dans deux phrases.
Absolument. C'est, à mon avis, c'est la force critique. Une des grandes sources de la force critique du discours antillais, c'est l'insistance à la fois politique et philosophique sur la rupture, sur la coupure que signifie la traite. Et donc, je ne pourrais pas être plus d'accord avec cela. Mais cela dit, justement, c'est aussi ce que je voulais montrer, c'est que c'est le discours antillais, notamment dans le chapitre que je voulais vous souligner particulièrement, il y a aussi cet aspect de la critique de l'idéologie abolitionniste. Et là, il y a justement une connexion qui est faite entre les effets d'assujettissement post-esclavagiste de ce discours abolitionniste et le colonialisme. Et donc, je ne poserai pas la traite comme étant un sujet d'une part et de l'autre part, il y a le colonialisme. Il y a justement un anticolonialisme antillais qui se nourrit à la fois de l'expérience de la rupture, qui est la traite, et d'une lutte anticoloniale. Le moment où la langue française est remuée, enfin, ils s'aperçoivent que le pouvoir passe par la langue. Par exemple, l'accord avec le féminin est supprimé à ce moment-là. Enfin, c'est Boileau, etc. Donc, il y aura un travail qui part des Antilles et qui remonte vers comment la langue est utilisée par le pouvoir. Dans son texte sur l'abolition, finalement, il parle d'une expérience avortée. Il parle d'une émancipation qui n'a pas été au bout de la révolte pré-proclamation de l'abolition. Et ce qu'il dit à la suite de ça, c'est que l'ordre colonial, le discours colonial, a récupéré la figure de Schœlcher pour en faire véritablement un mythe, le mythe du libérateur des nègres. Et que cette image a été reprise dans la stratégie de l'assimilation à partir de 1848 jusqu'à il y a très peu de temps. Peut-être qu'on n'en est même pas encore sorti. Le schœlcherisme est encore manié. En tout cas, il a été manié au moment de la départementalisation. C'est quelque chose qui est profond, si vous voulez, dans la pensée politique aux Antilles. Donc il est vrai que là, ce sont des choses qui, encore une fois, sont historiquement normées. J'insiste sur ce terme par rapport au parcours d'Édouard Glissant. Vous voyez ? Voilà. Donc c'est ça, c'est simplement... Mais alors là, ce que vous dites, en revanche, est d'une importance considérable quant à l'importance de la traite. C'est-à-dire que là, on est quasiment sur un continent essentiel, non seulement dans le discours antillais, mais alors dans toute l'œuvre. Je ne vais pas faire de pub personnelle pour vous dire que... parce que j'ai tout un essai là-dessus qui va apparaître, mais simplement, c'est une matrice. C'est une matrice de l'œuvre. C'est peut-être le seul cas, Édouard Glissant. Alors, quand je dis le seul, il y en a un autre, mais je ne le cite pas tout de suite. Le seul cas de quelqu'un pour qui la traite et l'esclavage ne constituent pas un thème. Ce n'est pas un thème d'écriture. C'est une matrice de pensée. C'est ce qui a conditionné tout ce qu'il a écrit. Et on le retrouve de manière cardinale dans le chapitre Histoire du discours antillais, mais partout dans le discours antillais. Alors, l'autre auquel je pensais, c'est Camo Brathwaite, mais ça, on va le développer plus tard, si vous voulez bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, c'est une question à M. Madou, parce que j'ai bien apprécié les références, je ne les conteste pas, mais est-ce que ça fait construction du discours antillais? Est-ce qu'il faut voir le discours antillais comme une proposition philosophique ou comme une réflexion sur... l'esclavage, la traite, le langage, l'ambivalence du langage, la crise de la représentation, et après, la fondation d'une poétique. Et donc, dans la file du discours d'avant, pour vous, quelles sont là où les questions philosophiques centrales du discours antillais? Est-ce qu'il faut le concevoir comme un traité philosophique ou un genre hybride, des essais ou... Le discours antillais en tant que... Oui, oui, enfin, c'est-à-dire que mon propos était en quelque sorte d'indiquer l'apport des sources philosophiques au discours antillais, disons comme ça. Est-ce que le discours antillais est en lui-même et dans son essence, parce qu'on est nouveau dans des questions d'essence, là, un discours philosophique? Il a une portée philosophique, bien entendu. Il a une portée philosophique.
Est-ce que c'est une philosophie en soi? Non, ce n'est pas une philosophie en soi. Oui. Donc, ce que j'ai voulu faire, tout simplement, je dis tout simplement, bien que ce soit déjà très compliqué, c'est d'indiquer quelque part les sources philosophiques. Par exemple, j'ai voulu mettre en évidence certaines lectures qui sont un peu, disons, cachées. Pas toujours cachées, elles sont souvent, parfois citées. Par exemple, Kostas Axelos. Je me suis dit, mais dans le fond, oui, il le cite mais je me dis, mais il faudrait quand même que je lise philosophie d'Héraclite. Et c'est là que tout s'éclaire de nouveau, parce que la dialectique de Glissant, dans le fond, est beaucoup plus proche de la dialectique d'Héraclite que de la dialectique, je ne sais pas, certainement pas de Hegel, mais pas d'Adorno non plus, parce qu'on aurait pu citer aussi la dialectique négative, n'est-ce pas, de l'école de Francfort, Benjamin. Enfin, c'est pas la même chose non plus qu'Adorno, voyez-vous. Donc, ce sont plutôt l'apport des sources philosophiques. Comment Glissant construit, oui, son discours, même son discours poétique. Par exemple, dans Pays rêvé, pays réel, à un certain moment donné, je n'ai pas le texte ici, sinon je pourrais retrouver la citation. Il parle de l'être de l'étang dans un poème. Donc, vous allez me dire, oui, mais où est-on là? Dans un discours philosophique, dans un discours poétique? Mais la question ne se pose pas pour moi. Voilà, on est au-delà de cette division de genre, en fait. Donc, le discours entier tel que le concevait Glissant, oui, se construit aussi sur des sources ethnologiques, on en a parlé, des sociologiques, littéraires. Il y a quelqu'un dont on n'a absolument pas parlé, je voudrais lui rendre hommage ici. C'est Jean Paris, qui a été très important pour Glissant, qui a écrit de très beaux livres. Tout ce que Glissant écrit, par exemple, sur Shakespeare, porte l'empreinte de Jean Paris. Hamlet est le personnage du fils, Hamlet est Panurge. Et puis n'oublions pas non plus que Paris est aussi le maître d'œuvre de l'anthologie de la nouvelle poésie, où Glissant a publié ses premiers vers, à côté de Yves Bonnefoy, n'est-ce pas, de Jean Grosjean, de Roger Giroux, Pierre Auster, etc. etc. Justement, Pierre Auster en parlait lorsque nous étions à. Puisque nous serons demain à la Maison d'Amérique latine, il en parlait justement lorsque Glissant faisait de ses chaos opéra, vous savez. À la Maison d'Amérique latine, Pierre Auster, je me rappelle, avait eu l'occasion de parler, de remettre à l'honneur cette anthologie et rappeler qu'il y avait participé, rappeler, et Glissant lui répondait précisément sur l'importance que ça avait été pour lui, ce moment-là particulièrement. Et ce que je voulais ajouter à ce que Jean-Paul Madou vous a raconté, c'est vous rappeler l'importance de lire de mémoire d'arbre. Parce que finalement, c'est exactement ce que Jean-Paul Madou fait, mais il le développe, ce qu'il a fait là. C'est-à-dire que pour lui, et ça devrait être le modèle pour nous tous, Glissant, c'est un penseur, certes, mais c'est un écrivain. Et c'est en même temps. C'est en même temps, les deux, quoi. Vous voyez, donc là, c'est une définition de la littérature, finalement, qui est si haute que peut-être on l'a oubliée, peut-être qu'on ne la pratique plus, ce n'est plus à la mode, mais c'est une définition peut-être, justement, pré-socratique, va savoir, dans laquelle la littérature contenait la pensée, d'une certaine façon. Donc, le discours antillais, c'est tout ça à la fois. C'est une polyphonie de genres. Moi, j'avais parlé hier de palimpseste. C'est vraiment ça qu'on peut ressentir quand on relit ces pages, parce que c'est à la fois... Mais, enfin, rappelez-vous, parce que moi, je l'avais dit hier, la section trace, c'est de la pure narration. Hein. Pure narration. Donc là, et vous avez de la poésie, brusquement. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'explosion de la polyphonie des genres. Et à mon avis, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut accueillir les traces philosophiques qui sont les siennes. C'est-à-dire qu'il manie les philosophes, non pas comme un philosophe pour agrégation, mais il les manie comme un écrivain qui fait rentrer les références philosophiques comme les autres dans sa psyché de créateur. Voilà, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous satisfaire, mais enfin... Ce sont presque des personnages. Oui, quasiment. Ce sont des personnages romanesques. Enfin, entre guillemets, oui, mais... quand même. Je vous accorde l'argument, parce que moi, je fais une lecture anthropologique de Glissant, à partir de la condition antillaise, coloniale et postcoloniale, mais il remonte au langage. Donc moi, j'aurais attendu de vous une réponse, mais quid des philosophies du langage dans vos citations. Et c'est là où la discussion a un peu flotté tout à l'heure. À part un petit peu Lyotard, mais... Vous voyez, donc pour revenir au discours antillais... Dimension anthropologique, dimension littéraire nourrie de différentes philosophies, mais d'un point de vue philosophie européenne, on a du mal à isoler la question philosophique centrale
à part la question de la représentation, du délire verbal qui est dans un coma, et là où les questions du langage, mais les questions du langage, elles peuvent se démultiplier à l'infini, et la philosophie s'échappe. Donc là où je vais renverser la question, c'est est-ce qu'il faut penser l'histoire à partir de la philosophie occidentale européenne? À ce moment-là, on fait la main coloniale. C'est le risque, oui. Donc, à partir de la traite et des traces de la traite, donc les traces de la traite, c'est quand même la psychopathologie de Fanon, et après, les apports sur la question du langage de Glissant. Donc, il faut refaire une autre filiation caribéenne, ou Brathwaite, parce que Brathwaite pose la question de la société antillaise. Est-ce qu'elle existe ou pas? Et c'est ça l'enjeu. Excusez-moi, je me permets juste d'apporter... Donc, la question, c'est par rapport à la filiation, les généalogies allemandes, européennes, il y a potentiellement une filiation, une généalogie caribéenne, oui. Mais qui doit être philosophique et qui doit répondre à la question du langage. Sinon, on reste sec dans l'interprétation. Mais si je puis me permettre... Alors, juste avant, peut-être, je vais vous écouter avec beaucoup de profit, mais simplement dire ceci, qui est peut-être, parce que sinon je vais l'oublier. C'est l'une des remarques aussi que je voulais vous suggérer, c'est que quand vous parlez de philosophie de l'histoire, eh bien justement, c'est l'une des grandes exceptions dans le discours antillais. C'est que là, en revanche, les philosophes occidentaux sont nommés. Et c'est très rare, hein, alors chez Glissant. Alors, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui ne vous nomme pas ses sources, généralement, qui les dissimule soigneusement et qui... les dissimule, ce que je dis est peut-être outrancier, qui les réinvestit. Mais là, pour une fois, quand il parle des historicismes, vous vous rappelez, dans Histoire, il en fait le relevé quasiment exhaustif qui va de Bossuet à Hegel en passant par Marx. Alors là, il vous le dit carrément et il fait l'énumération comme cela. Évidemment, il n'y a pas de notes de bas de page, hein, parce qu'il disait ça, il disait je déteste les notes de bas de page. Mais vous avez en tout cas ces choses-là. Et ça, c'est une chose à laquelle, mais je vous assure, on n'a pas été suffisamment attentif. Et si je vous le dis, je ne peux pas m'étendre là-dessus, parce que, enfin, bon, il se trouve que moi, j'ai trouvé quelque chose par rapport à cette énumération, qui en revanche, alors là, après l'avoir vérifié scrupuleusement dans les bibliographies, n'a pas été encore apporté, et pourtant, il le suggère. Donc, il y a des choses massives chez Glissant par rapport à la philosophie qui sont dites et que personne, en fait, tout le monde passe à côté de biais, va voir des choses qui sont certainement évidentes, mais les choses qui vont vous renseigner sur ça, sur certaines de ces notions, on passe à côté. C'est pour ça que c'est un territoire encore mouvant et encore vraiment actif que la critique glissantienne. On a tellement de choses encore à dire et à faire pour arriver à mettre en valeur ces sources que vous dites, et puis toutes ces sources, anthropologiques, philosophiques, littéraires, enfin tout ce que vous voulez, même scientifiques. Vous posez la question si Parménide c'était ses sources, on pourrait se poser la question est-ce qu'Héraclite cite ses sources, mais nous connaissons Héraclite que par des sources, que par les citations qu'en ont fait des auteurs. On est là dans un archipel de citations. Oui, je vais peut-être revenir encore à cette question des sources. D'abord, pour vous remercier, Jean-Paul Madou, pour avoir rappelé la figure de Paris. Et je voudrais rappeler, d'ailleurs, l'ensemble, j'ai appris hier ou confirmé hier, la composition du jury de thèse de Glissant, et il y avait Paris, justement. Ah oui. C'est ce qui m'a été dit hier. Il y avait Bernard Tessèdre qui était directeur de thèse. Et donc, c'est... Les sources, etc. Il faudrait quand même dire que ce jury de thèse était admirable d'avoir accepté comme thèse... Ce maelstrom, appelons-le comme ça, ce maelstrom qui déroge à toutes les règles habituelles du monde académique. Donc c'est très bien de rappeler... C'était en 80 ou 81 81, je crois. Donc il y a ça. Mais c'est
juste un peu une incise, parce que vous aviez rappelé Jean Paris. Je voudrais revenir sur une autre référence, influence, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous interroge là-dessus, puisque vous avez cité en passant la critique de la raison dialectique. Oui, c'est ça. Bon, on a absolument pas parlé de Sartre dans tout ce débat, donc c'est peut-être l'occasion de le remettre en selle. Et pour avoir vécu, au fond, toute cette période, y compris la sortie de la critique de la raison dialectique à l'époque, et le débat général que ce livre a suscité, pour être, comme vous le disiez après, complètement oublié, ou plus exactement, pas oublié, les autres se sont déterminés négativement par rapport à cette question de la dialectique. Voilà. Et donc, un peu dans l'esprit où Cyril disait, bon, il faut replacer l'anticolonialisme de Glissant un peu dans son époque aussi, pour arriver à comprendre ce qui se passe, enfin, ce qui est manipulé dans tout ça. Il me semble, j'ai toujours lu en fait, et quand j'ai proposé une intervention ici, l'idée c'était... l'idée originale que je n'ai absolument pas suivie après, mais c'était de lire le discours antillais comme un prolongement et une réponse de la critique de la raison dialectique, de l'impasse. C'était ça mon idée, tout au début. Bon, je parlerai dimanche matin et je ne ferai pas du tout ça. Mais c'était ça l'idée. Et si j'ai repris le micro maintenant, c'était simplement pour vous demander est-ce que vous avez davantage d'éléments qui permettent d'imaginer, de penser, de rêver le rapport du discours antillais avec cette critique de la raison dialectique. Mais ce serait à creuser. Et c'est un problème qui m'est très cher parce que je me suis éveillé à la philosophie de l'université. D'ailleurs, une thèse tout à fait remarquable sur raison structurale et raison dialectique. Donc, ça résonne. Mais depuis lors, Sartre, je l'ai aussi abandonné depuis longtemps. Il y a eu Foucault, Derrida, justement, les monstres sacrés de la déconstruction, etc. Bon, maintenant, on est de nouveau dans une autre époque, peut-être plus sereine, enfin, en ce qui me concerne. Si vous permettez juste d'ajouter une petite remarque, il y a aussi une référence un peu, quelque peu cachée à Herbert Marcuse qui serait peut-être à ajouter à cela sur l'analyse de l'aliénation notamment. Oui, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est un commentaire. Non, c'est un commentaire de discussion. C'est pas critique de la raison dialectique, il faut remonter. C'est en 1947, Sartre fait un essai sur la littérature entre deux guerres, littérature de résistance qui peut être qualifiée de résistance ou d'aliénation, et quelle sera la nouvelle littérature. Mais il conclut un chapitre en disant la littérature libérée des dominations, domination de classe, sera anthropologique. 1947, avant Tristotropique et Néris, et je pense que les internationalistes dont on discutait, ou les différents cercles diasporiques africains, ont dû réfléchir là-dessus. Parce que l'étude anthropologique, elle est totale en la conception phénoménologique et du sujet, totale dans l'incorporation de dimensions sociales ou langagières. Mais encore faut-il savoir quelle construction. Et ça, c'est tous les projets anthropologiques des années 50, et que de Lévi-Strauss, et que d'autres. Moi, je cite Jolin et autres. Mais... Donc, c'est avant la raison dialectique, c'est pendant la raison dialectique. Mais si je peux me permettre, il y a aussi ce qu'en fait, je suis dans une position duelle. Hein, c'est-à-dire je découvre et en même temps, je participe avec ma propre réflexion. Mais là, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est que j'ai l'impression aussi que c'est comme si chacun ou chacune, hein, puisque j'ai proposé cette lecture husserlienne, c'est en fait de s'approprier la pensée de Glissant et d'y voir en définitive ce que nous avons lu. Et en fait, c'est moins de se positionner, nous, en commentateurs de ce qu'aurait lu Glissant, mais ce que nous-mêmes nous avons lu et retrouvons en Glissant qui, de facto, devient universel. Et en fait, c'est ça, peut-être,
Bon, ce n'était pas envenimé tout à l'heure, c'était vivant, voilà, c'était charnel. Je dirais que c'est peut-être ça aussi la force d'un grand auteur, au-delà qui permet colloquium et réunion de pensée, c'est qu'il permette un débat qui dure depuis plus d'une heure de savoir quel auteur il a le mieux cité. Et en définitive, on vient tout de même de faire une grande bibliothèque de l'humanité pour un auteur qui, à la base, est insulaire sur un archipel. Et je trouve ça beau, en fait. Enfin, pardonnez-moi, la réflexion que je voulais faire, c'est parce qu'on est en train, depuis tout à l'heure, de faire une liste des plus grands penseurs possibles. Certes, avec la question de la légitimité, la question de la citation, la question de la source assumée ou non, la question de la présence même de glissant qui dirait, etc. Mais en l'occurrence, c'est quand même assez fou de passer de Parménide à Hannah Arendt avec toute l'histoire possible, etc. Et je trouve que pour un auteur qui, vous avez dit que j'ai cette intuition, mais voilà, tout simplement, qui se posait la question du sens du poème et qui, en première lecture, effectivement, approprie le poème de Mallarmé, le hasard ici est quand même assez fort de se retrouver à Paris, à la Maison des sciences humaines, et d'en faire peut-être un beau coffret, quoi. Enfin, pardonnez-moi, je voulais juste... Parce que depuis tout à l'heure, il y a des noms qui apparaissent, et je trouve ça juste formidable que ça soit juste avec un auteur qu'il soit possible de tous les réunir. Écoutez, quoi. Alors, vraiment, vraiment, merci pour cette remarque. Parce que l'un des aspects, finalement, que nous avons à commenter, que nous commentons depuis hier, que nous commentons dans cette table ronde, en fait, qui était consacrée à l'interdisciplinarité, et que nous allons encore commenter dans les deux jours à venir, c'est que Glissant est un auteur, enfin c'est un érudit absolu. Donc c'est un auteur par qui toute la bibliothèque finalement de l'humanité passe. Alexandre Lepin l'a souligné dans son livre, c'est-à-dire qu'il y a là, ce n'est pas si vous voulez la culture au sens de l'étalage, pas du tout. C'est au sens de la vision et de l'incorporation de ceux qui ne sont plus même des références, de ceux qui sont des dialogues. C'est quelqu'un qui dialogue avec ces gens-là. Et ça, c'est étonnant parce que vous prenez un livre comme Le discours antillais, vous assistez à un dialogue entre quelqu'un, un Martiniquais de 81, avec Parménide, avec Nietzsche, avec Derrida, etc. Et ça, c'est quelque chose d'un enrichissement absolument considérable. Et alors, un petit témoignage par rapport à la remarque qui a été faite tout à l'heure sur le jury de thèse qui était bien aise d'accueillir un tel foisonnement. Hein. Nous pouvons disposer d'un outil, d'un document absolument exceptionnel qui est l'enregistrement de la soutenance de thèse d'Edouard Glissant. Je ne veux pas vous faire saliver pour le moment, simplement pour vous dire qu'un jour ou l'autre, nous aurons l'occasion de diffuser les choses. Alors justement, pas pour la question des sources, mais en fait pour la question de l'autorité. C'est quelque chose d'étonnant et je pense d'unique. Parce que vous entendez finalement un jury qui était très respectueux devant déjà un grand auteur. Parce qu'il faut voir ce qu'était Glissant en 81. C'est quelqu'un qui avait été couronné par le prix Renaudot en 58. C'est quelqu'un qui avait quand même une certaine autorité sur la scène intellectuelle, justement anticoloniale, etc. Et je ne veux pas caricaturer ce document, mais tout se passe comme si, en fait, le doctorant, hein, qui est en train de présenter sa thèse, fait la leçon quasiment au jury. C'est-à-dire que le jury lui fait des remarques, il n'hésite pas à dire à certains moments, vous n'avez strictement rien compris à ce que j'ai voulu dire, je vais vous expliquer. Oui, non, mais je vous assure, c'est étonnant. Donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'arrogance, parce qu'il veut expliquer, il prend plaisir à expliquer, mais vous avez affaire déjà en 81 à quelqu'un qui sait très bien d'où il parle, comme on disait en 68, et où il va. Et il cherche à l'expliquer dans l'ouverture, mais avec une certaine autorité tout de même. Vous voyez, donc parce qu'il dialogue justement avec tous ces grands-là, dans le temps et dans l'espace, eh bien, il a ce discours de fermeté finalement qu'on retrouve dans le discours antillais, parce que le discours antillais, ce n'est pas... Ce n'est pas quand même, voyez, vous n'avez aucune faiblesse dans ces pages-là. Alors, ce n'est pas un livre dogmatique pour autant, mais c'est un livre quand même qui s'affirme lui-même, qui n'affirme rien, mais qui s'affirme lui-même. Voilà, c'est la chose que je voulais dire. Alors, s'il y a d'autres
les interventions sur la table ronde. On a encore du temps, si vous voulez intervenir sur la question de l'interdisciplinarité particulièrement, qu'on a eu l'occasion d'évoquer depuis hier, hein, en fait. Ben vous pouvez le faire à votre guise. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, je ne sais pas si j'ose prendre la parole, parce que je me sens la béotienne complètement laïque au milieu de vous tous qui êtes tellement érudits. Mais j'aimerais quand même juste vous poser une question à vous, Monsieur Seri. Est-ce que vous allez également penser à organiser des choses pour le grand public qui ne soient pas simplement entre académiques, qui cherchent des sources, etc., mais qui montrent... Parce que moi, ce qui m'a attirée ici, c'est la nouveauté radicale de la pensée de Glisson. Et dans ce, justement, cet amalgame, c'est comme si c'était une renaissance, finalement, à partir du néant. Et une renaissance même poétique, belle, sans haine, qui est absolument remarquable. Et il me semble, notamment ce que vous avez dit à propos de cette politique de révolution par le maraudage, ou poétique par le maraudage. Marronnage, pardon, excusez-moi. Dans quelle mesure ce n'est pas quelque chose qui peut éclairer, notamment par exemple le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement de tous ces mouvements civils qui émergent un petit peu partout et qui ont besoin d'éclairage pour ne pas sombrer dans la violence. Et il me semble que là, il y aurait quelque chose. Vous avez une responsabilité pour le grand public. Ben, écoutez, vous avez absolument raison. Moi, je vais tout à fait dans votre sens, parce qu'en vérité, ça nous l'avions évoqué depuis hier, c'est la caractéristique finalement des très grands penseurs comme ceux-là, c'est ceux de nous parler... Alors c'est la caractéristique de ces grands auteurs-là, et de Glisson en particulier, c'est de nous parler de notre présent. C'est-à-dire qu'on a la sensation un peu mystérieuse, peut-être, lorsqu'on lit ces textes qui sont, il faut l'avouer, exigeants. On a la capacité, on a la particularité, avec Glisson en tout cas, je parle de Glisson en particulier, que mystérieusement, il nous parle de notre présent, peut-être le plus... Comme vous l'avez dit, hein, vous avez évoqué les Gilets jaunes, etc. Enfin, c'est vrai, il nous parle de quelque chose qui est... c'est une sorte de kaléidoscope. Mais j'ai peut-être une piste là-dessus qui est peut-être très vieillotte, hein, très vieillotte, parce que je sais que la figure du génie n'a plus droit de cité depuis qu'on a proclamé la mort de l'auteur. Vous savez, il est mort, hein, l'auteur. Enfin, bon. Donc l'essentiel, à mon avis, c'est peut-être, de distinguer qu'il y a un certain type de penseur qui, à partir de certains niveaux, le niveau où il dialogue, par exemple, avec, comme je disais tout à l'heure, des gens dans le temps et dans l'espace, ont la capacité, vous savez, comme ces photographies, de nous regarder quel que soit l'endroit où on se place. Donc, d'une certaine manière, c'est le propre des classiques que de nous parler d'aujourd'hui, mais celui-là en particulier, comme il a éclos dans un moment où le monde dans lequel on est, finalement, est encore redevable des problématiques. Ce sont les problématiques de la décolonisation et les migrations sont issues de cette question. Ce sont les problématiques de l'identité. Et regardez dans quel marasme on se trouve aujourd'hui dans les débats souvent débiles autour de l'identité depuis quelques années en France. C'est quelqu'un qui nous parle de la relation aux autres. Et quoi de plus actuel pour nous que de redéfinir, d'être à la recherche de cette redéfinition-là. Donc, alors, peut-être que votre critique au départ de dire que peut-être que ce sont des colloques scientifiques, comme on dit, donc entre spécialistes. Je crois que vraiment, il faut peut-être se dire que Glisson, il ne faut jamais abaisser l'exigence qu'il y a à l'atteindre, c'est certain. Donc il ne s'agit pas de faire un Glisson pour les nuls, c'est pas ça la question. Il s'agit simplement de se dire que Glisson parlait comme cela, vous savez, enfin avec ses collègues-là, avec toutes ces dimensions, même controverses, etc., c'est peut-être celui qui est susceptible d'intéresser justement ce que vous appelez le grand public, qui est surtout le public très grand, c'est-à-dire qui est à la hauteur de cela. À mon avis, je crois qu'on n'a pas intérêt à
simplifier la pensée d'un penseur comme Glissant, on a intérêt à essayer de la diffuser. C'est ce que nous essayons de faire. Reconnaissez que ce n'est pas facile, parce que c'est très exigeant, et pour autant c'est urgent. Nous ressentons cette urgence que vous soulignez. Nous essayons de le faire le mieux que possible. Et au cours de ce colloque, on a déjà essayé, et je crois qu'on y arrive depuis hier, d'éviter le ton jargonnant qui ne rime strictement à rien, qui est un ton en effet de béotien, et je crois qu'on évite cela. Par exemple, pour revenir sur votre intuition, moi, j'accueille ces intuitions. Glissantien, peut-être que je n'en sais rien, mais en tout cas, pour quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément lu toutes les références sur Husserl, etc., c'est pas la question. La question, c'est d'accueillir quelqu'un qui dit quelque chose qui, pour moi, est censé sur une relation qui n'a peut-être pas été suffisamment abordée comme celle sur Bergson, comme Nietzsche, parce que la relation à Nietzsche et Heidegger. Qui a écrit sur Heidegger, Glissant de manière significative, je veux dire, enfin, voilà, il y a encore des chantiers absolument... absolu. Enfin voilà, c'était pour vous répondre par rapport à cela. Moi j'aimerais beaucoup. Moi je voulais juste revenir sur les gilets jaunes très rapidement en vous racontant une petite anecdote qui m'a rappelé justement la pensée glissantienne. C'est à la marge d'une manifestation des gilets jaunes à laquelle j'ai eu l'occasion de participer il y a déjà quelques mois. Où justement je me suis retrouvé avec un groupe de réunionnais. Et il faut absolument souligner que le mouvement de Gilets jaunes, qui en France est aussi composé d'une manière très diverse par certaines personnes qui sont peut-être dans un désir du même, dans un désir de la racine, et qui dans ce sens-là paraissent peut-être anti-glissantiens ou anti-relationnels. Mais là, dans cette instance-là, je me suis retrouvé avec un groupe d'une vingtaine de personnes, de réunionnais qui étaient là dans la manif. Et il y avait un couple campagnard de Champagne-Ardenne français qui était là et qui commençait avec un drapeau français à chanter la Marseillaise. Et voilà, nous, dans le groupe, on ne voulait pas trop chanter la Marseillaise et dans ce moment-là. Et le groupe réunionnais se mettait à chanter un rap en créole réunionnais. Et on manifestait dans la rue, et ce couple français blanc de la campagne champenoise s'est mis à prendre les paroles de la chanson rap en créole réunionnais. Et voilà, ça, pour moi, c'est beaucoup plus proche peut-être de l'idée d'une révolution glissantienne que le renversement absolu. Parce que là, il y a une mise en relation, il y a un langage qui se crée au-delà d'un rapport à un métalangage qui serait le rapport au drapeau français ou peut-être à l'universalisme tout donné. Là, il y a la relation qui arrive à émerger. Et donc, c'est peut-être ça aussi que Glissant peut nous dire pour le moment actuel, qui va au-delà d'une condamnation ou d'une adhérence simple à un tel mouvement. C'est très vrai ce que vous dites. De toute façon, ce sont les dimensions, encore une fois, actuelles. Et cela, il ne faut pas avoir peur de le reconnaître. Hein. Ce sont des dimensions que nous vivons. Et très souvent, nous pensons, quand nous vivons certains événements, à des références qui nous sont cardinales. Parce qu'on les a lues, on voit bien que ce qu'aurait dit Derrida, ce qu'aurait dit Foucault, pour reprendre ces gens-là, hein, bon, y en a bien d'autres. Alors, il y a certainement d'autres interventions. Non, je ne voulais pas tellement parler. Non, mais tout à l'heure, vous avez... une belle phrase de Husserl en nous demandant gentiment si c'était Husserl ou Glissant. C'est évident que jamais Glissant n'aurait parlé comme ça. Cette phrase, ça ne pouvait être que du Husserl. C'est tellement mal écrit. C'est extraordinaire. Arriver à dire des choses que Glissant dit avec cette clarté lumineuse et cette complexité ténébreuse aussi. Alors que quand on lit Husserl, excusez-moi, on est obligé de faire la lumière soi-même. Parce que ça... Non, je veux dire... Alors, il y a eu un moment, si vous voulez, pour moi, où je me suis dit, ça m'a rappelé les colloques auxquels j'ai assisté autour de Jean-Luc Godard. Voilà. Oui, tout à fait. Godard se moquant, lui, de son côté, de ce qu'on appelle les professionnels de la profession, et considérant que s'il faisait du cinéma, ce n'était pas en tant que professionnel de la profession, et qu'il n'était pas... en train de faire une théorie de son cinéma. Mais c'est surtout quand des gens se réunissent autour de l'œuvre de Godard, qui est un artiste.
essaye de recenser tous les films qu'il cite, tous les extraits, tous les auteurs dont il prend des textes, c'est extraordinaire. Et donc, il y a des publications, mais remarquables, hein, et des thèses remarquables, dans lesquelles, enfin, on sait tout ce que Godard a traversé, lu, entendu, aimé, détesté, etc. Et on s'aperçoit qu'au bout du compte, il a fait une œuvre qui est énigmatique et qui a une espèce de portée violente, énigmatique, difficile, difficile. Et tous ces mots, je pourrais les appliquer à Édouard Glissant. Une portée vraiment violente, tendre, mais très violente, énigmatique, difficile. On ne rentre pas dans Glissant comme son nom le laisserait supposer. C'est une affaire, on grimpe, on entre, on se bat, on veut comprendre, on va d'un texte à l'autre, etc. Mais est-ce que c'est vraiment éclairant de faire la liste, espèce de liste pour s'assurer que l'on a bien... Bien sûr, c'est un immense érudit, mais il a traversé tout ça avec une espèce de génie, le mot a enfin été prononcé, un génie d'art, de création qui fait que... Il y a eu un moment dans la discussion où je me disais c'est les professionnels de la profession. Bon, il se trouve que je suis philosophe, donc... Je sais bien comment nous pouvons parler entre nous, mais je suis venue, en vous entendant d'ailleurs, je suis venue avec la même soif, c'est de s'ouvrir à ce qui se passe en ce moment dans le monde, que le mot décoloniser, il est confisqué par certains de façon dramatique, mais malgré tout, je crois que Glissant est dans un mouvement de liberté, de décolonisation de l'imaginaire collectif, ce que ne font pas tous les mouvements qui s'appellent décoloniser quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, mais et qui s'approprient d'une façon souvent violente et quand ça n'est pas même stupide, cette question. Mais oui, il y a véritablement une liberté décolonisatrice, mais de notre propre pensée, parce que pour Glissant, il n'y a pas que les colonisés au sens historique du terme qui sont colonisés, c'est que nous sommes colonisés. Nous sommes colonisés. Les colonisateurs sont aujourd'hui en état d'esclavage. En tous les cas, en état d'asservissement, disons, hein, pour ne pas employer un mot qui est marqué par l'histoire autrement. Mais en tous les cas, en situation d'asservissement. Et je crois que la pensée d'Édouard Glissant touche la question de la décolonisation, mais de notre propre communauté. Et c'est ça que je trouve... C'est bien que vous ayez parlé des gilets jaunes, parce qu'il y a, parmi tous ceux qui manifestent, et pas seulement en jaune, mais avec beaucoup d'autres couleurs, c'est l'arc-en-ciel, par exemple, sont enrichis par cette pensée extraordinaire, mais difficile, et que je trouve que ce qui est important, c'est que nous arrivions à la faire connaître. Comme disait Loïc Seri, il est temps de le lire. Il est temps de le lire, mais de le faire partager dans la lecture. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il fallait que je dise ça. Ah, il fallait. Hein. Moi, je crois qu'il fallait. Marie-Josée Monzin, quand même. Voilà. Oui, Marie-Josée Monzin, que nous aurons l'occasion... dimanche après-midi. Voilà, nous aurons l'honneur d'écouter... Juste après, je vous passe la parole juste après. Que nous aurons donc l'occasion d'accueillir dimanche, lors de la dernière journée du colloque, et que nous aurons beaucoup de plaisir à écouter. Vous connaissez tous ces travaux sur l'image. De toute façon, vous êtes coutumier de cela. Ça fait partie des gens qu'on n'a pas besoin de présenter. Mais simplement, la parole sur Glissant que vous avez entendu, dont vous avez entendu l'amorce, là, elle nous est indispensable. Elle nous est indispensable. Alors, c'est vrai que lors de notre discussion, tout au long de l'après-midi, là, dans une table ronde qui est très dense, on peut avoir donné l'impression, peut-être, de ce genre de cuistrerie très, très courante dans les colloques spécialisés, où on devient des sourciers. Et effectivement, il ne s'agit pas de devenir des sourciers, parce que d'abord, on s'y perdrait. Ce n'est pas possible de se hisser à ce niveau de culture et puis de manière d'emmagasiner la connaissance comme cela. Ce n'est pas possible.
Et puis c'est un jeu stérile surtout, c'est un jeu qui est totalement stérile. Tout à fait, tout à fait. Elles ont intérêt à avoir plus de forme que possible. Mais en tout cas, il est vrai que d'essayer de montrer l'importance de certains repères pour lui, et pour tout penseur de cette hauteur-là, de cet étiage particulier, je pense que ça peut avoir son importance. C'est-à-dire qu'on entre du coup non seulement dans la fabrique de la pensée, ce qui est intéressant en soi, mais plus que cela, on entre dans, je dirais, la projection même de la pensée. D'où vient cette pensée et où elle va? C'est-à-dire qu'elle n'est pas ex nihilo. Il n'est pas vrai de s'imaginer qu'un penseur est ex nihilo. Un penseur, c'est quelqu'un d'abord fondé sur un dialogue fondamental avec ses aînés, sans parler d'héritage, et puis avec la postérité qui vient et qui n'est jamais assurée. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir l'attitude du sourcier. Il faut peut-être, à mon avis, plus avoir l'attitude de l'arpenteur et de l'arpenteur frontalier de cette espèce de jardin d'Acoma qui est celui de Glissant. Je ne dis pas la démo pour faire joli, parce que c'est quelque chose que je pense fondamentalement. C'est-à-dire qu'on doit avoir, dans la critique même d'une œuvre comme celle-là, une espèce de, j'allais dire quasiment d'éthique, pour se hisser à ce niveau et ne jamais retomber dans des choses qui seraient au ras des pâquerettes, il a pris ça là, il a pris ça, il n'a pas pris ça là, etc. C'est vraiment à ce niveau qu'il faut essayer de voir. Alors en tout cas, merci infiniment à tous ceux qui ont pris part à cette table ronde. Moi, je pense qu'on y a trouvé chacun un certain enrichissement.